Un guerrier arborant une écharpe royale ? Quel honneur ! Je suis Mariam, architecte royale de la citadelle, nommée par le roi Darius en personne. Allez, à ton tour. C'est un honneur de te rencontrer, architecte. Mais alors, les pièges, c'est toi qui les as conçus ? Ah, un admirateur. De rien. Oui, les énigmes, les secrets, les merveilles de technologie. Les fortifications sont ma spécialité. Il faut bien protéger la ville des maraudeurs. Et la ville cache bien d'autres choses encore. L'ascenseur ? Une idée à moi. Vraiment impressionnant. Même si parfois un peu dangereux. Les vraies merveilles sont dans mon atelier. Je suis sûre que tu aimerais les voir. Peut-être. Oh, je ne peux pas les montrer à n'importe qui. Il faut se montrer digne d'un tel honneur. J'ai caché des trésors un peu partout. Découvre-les tous et je t'inviterai dans mon atelier. Merveilleux, tu ne seras pas déçu. Enfin, peut-être que oui, si tu échoues. Mais dans ce cas, tu admireras le génie qu'il a créé. Cela devrait te consoler. Allez, tu es déjà bien parti. Alors ici, ce qu'il faut faire, c'est que toutes les herbes soient coupées pour faire apparaître le... le butin. Ça va être assez rapide parce que ça repousse. Pour les trésors. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ces statues montent la garde tournée dans une certaine direction. Un objet est caché dans un endroit secret. La plus grande regarde vers l'est et surveille toutes les autres. La moyenne garde une plus petite dans la meilleure direction. Enfin, surveillant les deux autres, la plus petite attend un invité. Facile celui-là.
pour l'avoir essayé plusieurs fois, il faut retomber sur le truc du centre. Si on active en un saut l'ensemble des... L'ensemble des carrés, ça marche pas. On peut pas le péter. Par contre, ils sont sympas, pas très loin. La capacité de prendre des bombes, des objets, des ennemis, il y a moyen de libérer le passage. Avec Ganon. Celui qui met son truc là gagne. Encore.
Là, ça a l'air d'avoir marché. Alors, nouvelle énigme ici. Alors, ouais, qui est liée à une quête principale, on l'a pris très tardivement. Amulette. Alors, quel numéro il y a sur celui-là? C'est le numéro 1. Je crois qu'on a tout de 1 à 9 à ce moment-là. Retourner vers l'architecte. Donc on les a tous fait découvrir tous les secrets de la citadelle. Alors, de retour au niveau de notre architecte. Ça a l'air coriace, n'est-ce pas? Je ne sais pas trop à quoi je pensais lorsque je l'ai conçu. Le roi Darius appréciait ce genre de choses. Je t'assure que la solution existe. On voit des symboles. J'ai l'impression que c'est les mêmes que l'on a là, avec des numéros. Alors, est-ce qu'il faut les taper dans l'ordre des numéros? Ordre ou ordre inverse? Bien, bah sur un petit papier, je me suis fait mes dessins avec l'ordre, et puis on y va. Alors par contre, je trouve que le système de visée est assez merdique. Hein. Il a tendance à nous faire tirer pas là où on veut. Puis en plus, comme c'est long, on n'a pas forcément accès à tous les trucs tout de suite. C'est le triangle, lui il est bien, on le reconnaît. Ce sera le dernier. C'est stupéfiant. Je commençais à croire que c'était insoluble. Moi aussi, au bout d'un moment. Je comprends que tu puisses trouver mes inventions étranges. Quand elles sont juste étranges, ça va. Mais il y en a qui sont clairement conçues pour tuer, non? Oui, ce sont mes favorites. En tout cas, cette ville est remplie de merveilles comme le monde n'en a jamais connu. Je sais. Il y a un cadeau pour toi dans mon atelier. Vas-y. On a terminé la quête. Donc ça, c'est les objets de collection. Ça tombe bien, il nous en manquait. Ma mémoire me revient. Le roi Darius. Cela fait 30 ans qu'il est mort. J'espère avoir fait honneur à sa vision, même si, maintenant, je me demande si mon œuvre ne va pas sombrer dans l'oubli. Le roi avait une vision d'une citadelle formidable, bâtie pour durer une éternité. Je pense qu'il avait nommé la bonne personne quand il t'a choisi. Il aurait été impressionné par tes merveilles technologiques. Tu sais, tu m'as fait le plus beau des cadeaux. En résolvant tes énigmes? Oui, mais pas que cela. Tu as pris le temps d'interagir avec mon œuvre. Tu as cherché à comprendre, à t'approprier l'espace. Quelqu'un a enfin reconnu mes efforts d'une vie entière. C'est pourquoi je vais te dévoiler le secret qui résonne dans ces murs. Je t'écoute. Le Simorgue est en vie. Bien, on les a tous.
derniers trésors et les derniers objets.